c'est Marisa Jaspard. Le 47, Lydia Benknecht. Le 48, Nathalie Naïs. Le 49, Beau Carles. Le 50, Ludivine Lampion. Le 51, Maïs Cabrel. Le 52, Sophie Leveix. Le 53, Anne Evans-Derek. Le 54, Lisa Varel. C'est également le junior. Le 55, Désiré Skiver. Le 59, Mélanie Blanchet. Le 60, Marc Slaudel. Le 61, Cyril. 62, Émilie Jean. 63, Tarapins. 64, Anna Richer. 65, Christine Valdez. Start in 2 minutes, départ dans 2 minutes. Voilà, c'est donc parti pour le peloton fort de 71 participantes, forte participation étrangère. Si l'écart est encore en train d'augmenter, eh bien on plonge un léger avantage pris par le peloton, avec notamment la Norvégienne. Également, Köken se redent, tandis que le peloton eh bien, pointe maintenant devant nous, avec donc au niveau... La sécurité du final, donc au sprint, voilà, sans aucun problème me semble-t-il, elle a pris le côté gauche. Voilà, donc voilà, avec le dossard 36, c'est sans aucune discussion possible l'italienne Martina Corizza
Corazza qui l'emporte. Voilà, Ludivine Orion qui vient d'en terminer maintenant, Ludivine Orion, qui avait eu... Voilà donc au niveau de l'arrivée de ce Grand Prix d'Amiens Isère-Bitt. Voilà donc au niveau de ce podium, superbe victoire de Martina Corozza du Cléo Ladies Team. Bravo mademoiselle, avec une victoire méritée puisqu'elle a été dans le coup et dans le vent tout au long de cette compétition. Et la deuxième position du Wheeler Club de Sprinters Mal de Rennes, Laure Werner, que vous pouvez encore applaudir. Voilà, avec Monsieur Daniel Poels qui va donc remettre le trophée des fleurs. Il y aura également Monsieur Alfred Gaden, bourgmestre de Moucron, qui va donc procéder à la remise des prix, mais également Monsieur Bernard Wiffels, président de l'association des commerçants de d'Otigny. Voilà donc les personnalités présentes aujourd'hui et qui vont donc se faire un plaisir. J'en profiterai évidemment pour saluer également tous les bénévoles, tous les signaleurs. Encore félicitations à Martina Corozza. Donc un très beau podium aujourd'hui à d'Otigny pour cette deuxième organisation féminine mise en place. Voilà, merci mesdemoiselles, bravo et... Merci.